Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les, j'allais dire les guidances de Shiva sur la chaîne Vika Magie Blanche. Oui, les guidances de Shiva, c'est aussi mon autre chaîne. Vous pouvez aussi aller regarder si vous avez envie de voir vos prévisions, les taroscopes mensuels, semanales, oui, et autres. Mais on va parler aujourd'hui de rituels. Alors, je vais faire, je pense, deux vidéos. Une vidéo par rapport à un rituel de protection, de libération, plutôt de certaines choses, certaines difficultés que l'on peut vivre. C'est vraiment, oui, c'est vraiment un rituel de libération, je dirais plutôt émotionnel, se libérer de certaines difficultés qui nous embêtent. C'est pas purifié, c'est pas nettoyé. Ça peut être dans le sens aussi purification, oui, mais c'est plus se libérer d'une émotion ou d'un souvenir. Par exemple, une émotion de tristesse, une émotion de jalousie par rapport à une personne, une émotion qui est difficile à vivre, hein. Donc, c'est vraiment un rituel de libération émotionnelle. Ce sera un petit peu différent. On ne va pas toujours faire des protections parce qu'au bout d'un moment, j'aurais fait le tour. Alors, pensez à trois ou en tout cas deux émotions difficiles que vous voulez voir ou que vous voulez libérer. Ça peut être la peur, ça peut être l'ego, ça peut être tout ce qui est émotionnel, la tristesse, les blessures, hein, blessures émotionnelles. Plutôt ce qui est. On ne va pas dire la joie, parce que c'est pas une, on n'a pas besoin de se libérer de la joie, je veux dire. Donc vous marquez, et vous avez besoin, je vais vous expliquer, c'est un rituel qui est assez simple, mais qui est à faire dans une période particulière. Il est à faire dans la période entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc on vient d'avoir une pleine lune, et on va vers la nouvelle lune. Donc c'est le moment idéal pour se libérer de certaines situation qu'on ne veut plus. On a besoin pour ce rituel d'une bougie. Oui, là, elle fait des super couleurs en plus avec avec la lumière. On a besoin, pourquoi pas, d'un encens. Donc moi, j'ai du nac champa ici que j'ai mis dans la bougie. Vous pouvez voir comme ça. Hop. Vous allumez une bougie, de l'encens, vous choisissez trois souvenirs difficiles ou trois émotions qui vous polluent, qui vous prennent la tête, qui vous, oui, qui vous, oups, qui vous posent problème. Alors essayez de réfléchir à ce que c'est. Et ensuite, vous prenez donc trois petits papiers. Hein, là, j'ai découpé des bouts de papier. Et ce sera à nouveau la purification avec le feu. Donc, par exemple, moi j'ai envie de me libérer d'une émotion qui peut être la colère, par exemple. Voilà, la colère par rapport au passé, par rapport aux parents, par rapport à quelqu'un qui nous a fait du mal. On a une certaine colère contre ces personnes-là. Là, j'ai de l'encens, j'ai du. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est mes bâtons de sauge. Ayez toujours de la sauge pour ceux qui font la purification aussi, les libérations, la protection, etc. Donc, soyez dans cette période actuelle, toujours entre la pleine lune et la nouvelle lune, c'est-à-dire maintenant. C'est là où se font les libérations. Vous prenez des papiers, vous prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez voir libéré de votre vie. Pour moi, j'ai marqué la colère. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir la bougie, le papier, et à nouveau, on va aller brûler notre message. Donc, je désire me débarrasser de cette émotion. Vous pouvez dire l'intention. Je trouve que c'est toujours important d'avoir des intentions. Alors, est-ce que j'arrive à aller atteindre la flamme? Voilà. Je désire me libérer de la colère. Hop, et je l'ai mis dans un papier. J'ai mis, vous avez entendu, je l'ai dit au même moment que je l'ai brûlé. Je désire me libérer de la colère
qui me pollue, qui ne me sert plus à rien. Elle s'est brûlée. Donc ça s'envoie dans l'univers, ça part, ça brûle, ça disparaît. Ça devrait vraiment aider à se libérer. Deuxième papier, vous pouvez marquer une autre émotion ou un autre souvenir difficile. Je ne sais pas, un souvenir par exemple d'une rupture sentimentale ou autre. Donc ça, ce sera la première chose. Donc je vais faire une vidéo avec deux rituels. Ensuite, le deuxième rituel, donc dans l'assiette où j'ai mis ici mon papier qui a brûlé, vous voyez, il y a des œufs. Et vous allez rire, parce que c'est des œufs qui sont gelés. Qui sont gelés. Et ça, c'est plus alors un rituel de protection ou de blocage par rapport à des personnes qui nous ennuient, qui nous causent des problèmes. C'est comme par exemple le rituel de se protéger contre une personne qui nous vaut du mal ou qui nous fait du mal ou qui est jalouse ou qui est toujours présente pour nous créer des problèmes. C'est pour bloquer ces énergies, vous voyez. C'est de la magie blanche, c'est pas de la magie négative. C'est vraiment, encore une fois, protection. Là, ce sera plus un rituel de protection. Donc, j'en mettrai deux, rituel de protection contre une personne qui nous fait du mal. C'est vraiment se protéger ou se bloquer ou quelque chose qui nous permet de bloquer une énergie négative. Alors, bloquer une énergie négative. Et c'est surtout une personne. Alors là, vous aurez besoin d'un feutre, d'un gros stylo. Je vais voir si j'en ai un. Moi, là, j'ai un petit stylo, mais c'est trop fin pour marquer le prénom de la personne. Donc, c'est pour marquer le prénom. Est-ce que j'ai mon stylo avec moi? Oui. Donc, un gros feutre comme ça. Voilà. Vous prenez un œuf. Un œuf cru. Pas un œuf cuit. Un œuf cru. OK. Moi, j'en ai pris deux. Et puis, la personne qui vous embête. Donc, il faut que ce soit une personne. Hein. Ça, c'est vraiment important. C'est pas du tout une... comment expliquer? C'est pas une situation. Vous devez marquer le nom de la personne ou le prénom de la personne. Le nom et le prénom, nom de famille, si vous avez. Avec votre feutre. Donc, sur l'œuf, vous le tenez dans la main. Vous marquez, je ne sais pas, Samuel, Bertrand, Christiane, etc. Vous savez qui c'est. Vous marquez bien, qu'on voit, en tout cas qu'il soit bien écrit. Et l'œuf, comme vous voyez, vous le mettez entier, qu'il ne soit pas cuit, cru, dans le congélateur. Voilà. Et normalement, son énergie face à vous, ses problèmes qu'elle vous crée ou toutes ces difficultés qu'elle vous a fait ou ces blocages vont se stopper parce qu'ils seront gelés dans la matière et dans l'univers. Moi, j'en ai fait deux pour renforcer la situation. Je pourrais peut-être en faire trois. Il faut voir si ça fonctionne ou pas. Et vous les laissez dans le congélateur. Ça rejoint un autre rituel que beaucoup connaissent. Eh bien, c'est justement mettre, par exemple, je ne sais pas si je vous l'ai dit, écrire sur un papier le nom d'une personne. Ensuite, vous pouvez le mettre, ce papier, vous le pliez. Ce papier, quand il est plié en quatre, vous le mettez sur une feuille d'aluminium, au milieu de la feuille d'aluminium. Vous la recouvrez de gros sel. D'accord? Le sel, il purifie hein, le mal, la négativité, les mauvaises énergies. Et vous fermez en fait ce papier d'aluminium en quatre ou au plus, hein, des quatre côtés sur ce petit papier où il y a le prénom et aussi où il y a le sel. C'est pour que le sel soit sur le prénom, soit bien enroulé dans la feuille d'aluminium et ce paquet, vous le mettez aussi au congélateur. Il y en a qui ne font pas le sel, il y en a qui mettent simplement le papier plié en quatre avec un nom mis au congélateur, généralement ça bloque la personne et ses interventions contre vous. Mais ce petit rituel supplémentaire avec le sel, je le trouve mieux parce que bah, le sel a un effet très purificateur, protecteur, de nettoyage, etc. Donc là, je vous donne donc deux rituels ce soir à faire. Je sais que vous aimez bien les petits rituels. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « mais c'est super sympa, ça nous aide ».
Donc voilà, les œufs, je vais les remettre au congélateur. Il y a le nom dessus qui est marqué. Et donc, les œufs, le papier ou le papier avec le sel enroulé ou emballé dans de l'aluminium avec le sel marin. Voilà. N'hésitez pas de me poser des questions en commentaire si vous le désirez par rapport à ces rituels. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Vika Magie Blanche qui vous servira parce que je fais autant les rituels que des prières de protection. Et ça aide, hein, effectivement. Et vous recevez les notifications aussi. Si vous cliquez la cloche à droite, vous recevez les vidéos que je fais. Il y a beaucoup de gens qui oublient ou qui ne voient pas les commentaires. Il y a une petite cloche à côté de s'abonner. Il y en a trois. La cloche du haut, vous cliquez dessus, ça nous, vous recevez toutes les notifications donc de toutes les vidéos qui sortent, que je fais. Ça vous mettra une notification sur votre téléphone que j'ai sorti une vidéo nouvelle de rituel ou de protection. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous désirez aussi, dans le soutien de ma chaîne de guidance et de tarologie, de vous abonner si ça vous intéresse, de recevoir vos prévisions chaque mois par rapport à votre signe astrologique. Vous pouvez aussi vous abonner aux guidances de Shiva. Donc ça s'appelle les guidances de Shiva. La même chose, on s'abonne, on clique la petite cloche du haut pour recevoir les vidéos. D'un geste, vous pouvez faire deux choses. Et puis vous, voilà, si ça vous intéresse, je vous en parle. Et j'espère que ces deux rituels aujourd'hui vont vous aider dans certaines situations. N'hésitez pas vraiment de commenter ou de poser les questions en commentaire. À tout bientôt mes chers amis. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.